Il est 9h passé de plusieurs minutes et nous sommes au quartier Akébé-Poto dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, il a été impossible pour les habitants de cette partie de la capitale de sortir de leur domicile pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. La raison de cet empêchement, la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale gabonaise ce 17 novembre, qui comme d'habitude a encore occasionné bien de désagréments. Plusieurs maisons ont reçu la visite ô combien désagréable de ces eaux qui ont envahi le quartier à Akébé-Poto. Aucun habitant n'a voulu s'exprimer car pour certains la honte et pour d'autres la colère avaient pris le dessus. Seule chose à faire, trouver des voies et moyens pour tenter d'évacuer ces eaux comme le fait ici tant bien que mal ce citoyen. Va filmer là-bas. Cette situation nous ramène à l'épineux problème de canalisation dans nos différents quartiers sous-intégrés qui sont très souvent à l'origine de ces inondations qui parfois causent de nombreux dommages. Les habitants de ce quartier crient une fois de plus à l'aide et espèrent que ce énième cri ne soit pas comme un coup d'épée dans l'eau.